pour que nous puissions ensemble chanter l'hymne national de Côte d'Ivoire. Allô, chers compatriotes, bonsoir. Monsieur le représentant de son Excellence, l'ambassadeur Bamba Youssoufou, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Monsieur Fofana Karamoko, président de l'Union des Ivoiriens de New York. Honorable Bema Fofana, député de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Distingués représentants des partis politiques. Honorables dignitaires religieux, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile ivoirienne à New York, mesdames et messieurs les membres du bureau de l'UNI, chers compatriotes, chers frères et sœurs, chers amis de la presse et des médias, chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir particulièrement renouvelé que je suis ici parmi vous. Mes chers compatriotes, pour célébrer fraternellement à l'occasion du bal organisé par l'Union des Ivoiriens de New York, la fin de cette année 2014. C'est un plaisir, dis-je, d'autant plus réel pour moi que cette année, l'UNI a décidé de placer cet événement annuel sous le thème de la fraternité. C'est également un plaisir pour moi parce que c'est pour la toute première fois que je prends part à ce bal en ma qualité de consul général de Côte d'Ivoire à New York.
Permettez-moi donc de saisir cette occasion au nom de tout le personnel du Consulat général de Côte d'Ivoire à New York et à mon nom propre pour saluer tous les participants à cette soirée de retrouvailles. Je voudrais particulièrement saluer le président Fofana Karamoko et lui exprimer ma sincère reconnaissance pour avoir fait personnellement le déplacement au consulat général pour me remettre ma carte d'invitation. Je voudrais également, à l'occasion de cette soirée conviviale, lui adresser mes très chaleureuses félicitations, de même qu'à tous les membres de son bureau, pour la parfaite organisation de cette soirée entre frères et sœurs de la communauté ivoirienne de New York. Je me réjouis de cette heureuse initiative qui vient marquer la fin de l'année 2014 et qui participe à n'en point douter de la cohésion sociale que nous appelons de tous nos voeux au sein de notre communauté. L'année 2014 a été riche en événements. L'installation officielle du consul général de Côte d'Ivoire à New York le 18 juillet. La grande rencontre de la communauté ivoirienne avec le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, le 25 septembre. La tenue de l'élection pour la présidente de l'UNI le 30 novembre. Et l'installation officielle du président de l'UNI, M. Fofana Karamoko, le 7 décembre dernier. Je ne voudrais citer que ces événements, même si notre communauté en a enregistré d'autres, à chacune de ces occasions. Chers frères et sœurs, vous avez fait preuve d'un enthousiasme remarquable. Vous avez fait preuve de civisme et de solidarité. Aussi voudrais-je saisir l'occasion que m'offre l'avènement de la nouvelle année pour former pour chaque membre de la communauté ivoirienne vivant dans les 16 États de ma circonscription consulaire des vœux ardents de santé, de réussite aussi bien individuelle que collective, ainsi que de bonheur partagé. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, au moment où je vous parle, c'est-à-dire au seuil de l'année 2015, la Côte d'Ivoire est en plein chantier. Pour celui qui n'est pas retourné en Côte d'Ivoire depuis quelque temps, la surprise sera grande dès la sortie de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Hôtel en construction, réhabilitation et construction de routes à travers tout le pays, autoroute du Nord prolongée jusqu'à Yamoussoukro, construction d'échangeurs de ponts et d'ouvrages d'adduction d'eau. Par exemple, l'échangeur de la Riviera 2, le pont Henri-Conan Bédié inauguré le 16 décembre dernier, l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, le pont de la Maraoué sur le fleuve Komoué avec 6 km de voirie dans la ville de Boisflé, la réhabilitation de l'ancien pont sur le même fleuve, le pont de Jacquesville d'une longueur de plus de 300 mètres, l'autoroute du Nord avec l'achèvement du tronçon Saint-Grobo à Yamoussoukro, les routes Grand Bassam, Noé, à Bangourou, à Nibelokro, et j'en passe. Il ne faudrait pas oublier le secteur de l'électricité, avec l'extension de la centrale thermique d'Azito, la construction du barrage hydroélectrique de Soubré. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui a toujours promis le bien-être à ses compatriotes à travers le développement économique et social de notre pays, en faisant en sorte que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent allant
à l'horizon 2020 est conscient que beaucoup reste à faire. À l'occasion de son message de vœux à la nation l'année dernière, c'est-à-dire pour cette année qui s'achève, puisqu'il a prononcé ce message le 31 décembre 2013, le président de la République, disais-je, rappelait, et je cite, « Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je sais qu'il y a encore beaucoup à faire, et à juste raison, certaines impatiences se signalent. Je les comprends, mais je peux vous assurer que nous sommes sur la bonne voie, celle qui mène vers la prospérité. Nous avons d'importantes réformes à achever pour faire sentir les effets de nos performances sur votre quotidien. » Fin de citation. C'est donc un grand pari que le président de la République prend. Il prend ce pari, certes personnellement, mais il prend ce pari également avec nous. Nous, l'ensemble des Ivoiriens, quel que soit le lieu où nous vivons, que nous soyons en Côte d'Ivoire ou que nous soyons aux États-Unis d'Amérique, à New York, c'est un pari avec la population ivoirienne. C'est un pari que le président de la République prend avec les 23 millions d'Ivoiriens. Je voudrais signaler que nous sommes désormais 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire depuis le recensement général de la population et de l'habitat. Applaudissez-vous, 23 millions. Alors, chers frères, chères sœurs, nous les New-Yorkais, nous sommes profondément persuadés que l'année 2015 sera celle de l'accomplissement total de la Côte d'Ivoire, notre très cher pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année 2015. Bonne fête et je vous remercie. Silence. Monsieur le représentant de l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire par les Nations Unies. Excellence, Monsieur Kwaku Christophe, consul général de la République de Côte d'Ivoire à New York. Honorable Monsieur le député Bema Fofana, Monsieur le représentant des services de la promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Messieurs les représentants des partis politiques, chefs traditionnels, présidents des associations ivoiriennes et amis de la Côte d'Ivoire, honorables invités, chères sœurs, chers frères, au nom de l'Union des Ivoiriens de New York, je voudrais saluer votre présence remarquée. Je voudrais également saluer l'esprit de fraternité qui a prévalu lors des élections du 30 novembre 2014. En initiant cette fête de la fraternité à l'aube d'une année qui s'achève,
l'Union des Ivoiriens de New York a voulu simplement donner l'occasion à la communauté africaine en général et ivoirienne en particulier de répondre à la tradition d'aborder une nouvelle année dans un esprit de positivité lucide. Pour construire une communauté ivoirienne unie, forte et indivisible, ensemble, nous devons fortifier cette union des Ivoiriens par l'implication de tous les fils et filles du pays dans sa gestion quotidienne. C'est pourquoi la mise en place imminente du panel des présidents des associations, des ONG, des chefs religieux et des délégués des quartiers s'avère nécessaire. Cette gestion nécessite que chacun de nous fasse preuve d'attention soutenue où règne un esprit de convivialité et de fraternité favorable pour atteindre nos objectifs et nos buts qui sont. Rassembler tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora de New York, renforcer nos liens de fraternité, créer un élan de solidarité, de compréhension, de tolérance et de confiance mutuelle, défendre nos intérêts communs, mise en place d'une maison des Ivoiriens, améliorer les conditions de vie de nos membres, contribuer à l'orientation, à l'éducation et à l'épanouissement des membres par la mise à leur disposition d'informations utiles et nécessaires en matière de santé, de formation et d'immigration, et enfin promouvoir le patrimoine culturel sur le territoire américain et plus précisément auprès de la mairie de New York. Chers sœurs, chers frères, la réussite de l'Union de New York, des Ivoiriens de New York dépend de sa bonne marche et de son enracinement à travers nos actes. À cet effet, chacun de nous doit faire preuve d'autodiscipline, de sagesse, de pardon, de don de soi et de dévouement dans la réflexion afin que les résultats obtenus par l'Union des Ivoiriens de New York soient le reflet des réalités de l'ensemble des Ivoiriens de New York. Depuis sa mise en place en 2012, l'Union des Ivoiriens de New York a posé des actes positifs dans le domaine de la réconciliation, la santé, l'éducation, l'immigration, l'immobilier et la culture. Nous continuerons toujours à travailler davantage pour mieux améliorer ces acquis et faire de cette Union des Ivoiriens de New York le miroir de la fraternité retrouvée. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour inciter nos sœurs et nos frères à s'inscrire volontiers et massivement pour mieux bénéficier des avantages de cette fraternité retrouvée qui nourrit le cœur. Avant de terminer, je voudrais dire merci au consul général, M. Kwaku Christophe, pour son implication directe dans la recherche de solutions pour une amélioration continue de notre communauté. Je voudrais également dire merci à nos autorités venues témoigner l'intérêt qu'elles portent à notre union et à notre bal placé sur le signe de la fraternité. Votre présence effective contribue incontestablement à la réussite de notre fête. Que l'année nouvelle soit mieux que celle qui s'achève, que la fête soit belle, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci au président de l'UNI. Je vais donc appeler M. Lucien Kwasi, juste à côté de moi. L'UNI a décidé de présenter à la diaspora ivoirienne brièvement leur organigramme pour que nous ayons tous une idée de comment l'Union des Ivoiriens fonctionne. Je vais donc passer la parole à M. Lucien Kwasi. Bonsoir à tout le monde. Voilà, après les élections qui ont eu lieu à la fin du mois de novembre, l'UNI, à travers tous les Ivoiriens, nous avons décidé de former un bureau qui sera inclusif, un bureau qui regroupe toutes les régions de la Côte d'Ivoire, un bureau qui regroupe
toutes les tendances de la Côte d'Ivoire, un bureau qui recoupe, je dirais, toutes les couches religieuses. Donc, succinctement, voilà l'organigramme du bureau de New York. Alors, l'organigramme est fait en 4 points. Le premier point, certainement, c'est le président. Le deuxième, c'est le vice-président. Le troisième, qui est un renouveau d'ailleurs au niveau du bureau, nous aurons des délégués et ces délégués vont jouer le rôle de président dans, disons, les communes ou bien les banlieues que je vais citer. Nous avons Albany, donc nous aurons un représentant ou une représentante d'Albany. Nous aurons un représentant ou une représentante à Poughkeepsie, à Nassau, au Suffolk County. Nous avons Brooklyn, le Bronx, Manhattan, Queens et Staten Island. Donc ces délégués joueront le rôle de président dans ces différentes localités. La quatrième couche se compose de la façon suivante. Un secrétaire général qui sera accompagné par un adjoint bien sûr. Nous avons le porte-parole qui sert de branche de communication au niveau de l'UNI. Nous avons un secrétaire chargé du social, de la famille et de l'intégration. Nous avons un secrétaire chargé de la jeunesse, de la culture et du sport. Nous avons un secrétaire chargé de l'éducation. Nous avons un secrétaire chargé de l'immigration. Nous avons un secrétaire chargé de l'immobilier. Nous avons un secrétaire chargé de l'emploi. Nous avons un secrétaire chargé de l'organisation, comme nous vivons dans le pays de l'ONSA, qu'on va appeler Chief of Staff. Nous avons un secrétaire chargé des relations avec les ambassades et le consul général à New York. Nous avons un secrétaire chargé des relations avec l'État et la mairie de New York. Nous avons un secrétaire chargé des relations avec les associations. Et enfin, nous avons un secrétaire chargé des relations avec le ONG. Alors, je vais paraphraser pour finir cette petite introduction. Le président des États-Unis, son Excellence Barack Hussein Obama, qui le disait, il n'y a pas des États-Unis pour des républicains, il n'y a pas des États-Unis pour les démocrates, et moi je vais paraphraser pour dire la chose suivante, il n'y a pas d'Ivoirien du Nord, il n'y a pas d'Ivoirien du Sud, il n'y a pas d'Ivoirien du Centre, il n'y a pas d'Ivoirien de l'Ouest, il n'y a pas des Ivoiriens catholiques, il n'y a pas des Ivoiriens musulmans, il n'y a pas des Ivoiriens animistes, mais nous avons simplement des Ivoiriens qui partagent une même couleur, orange, blanc, vert, des Ivoiriens qui partagent une même coutume et des Ivoiriens qui veulent vivre en symbiose. Je vous dis merci, que la paix soit avec vous. Ce soir, DJ, à toi. Le roi et la reine, s'il vous plaît, sous vos ovations. Le roi et la reine, donc le roi et la reine de New York sous vos ovations. Donc Madame Ministre Kwesi Jeanne qui représente la reine ce soir. Et Monsieur Henry Kina qui a bien voulu représenter le roi ce soir. Est-ce que ce n'est pas beau de voir la Côte d'Ivoire représentée? Je vous demande de les applaudir certainement. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ces tenues sont également disponibles pour tout. Pour vos mariages, baptême, anniversaire et toutes sortes d'occasions. Thank you.
Jeanne et Monsieur Émile Kina. Monsieur Émile Kina, pour votre présence et merci pour le soutien à l'UNI. DJ à toi. Nous allons donc procéder à l'ouverture du buffet. Il se fait tard certainement, mais ces dames ont concocté des plats délicieux pour vous. Elles vont donc servir d'un qui a bien voulu honorer de sa présence cette soirée magnifique de la fraternité, de bien vouloir nous rejoindre ici sur la piste de danse. Je voudrais par la même occasion vous dire qu'il y a un bal de fin d'année qui est également organisé le 31 décembre. Des tickets sont en vente chez le DJ Watt, organisé par la sœur Magnon et la sœur Yvonne. Pour tous ceux qui veulent s'amuser ce 31, ici même à Harlem, vous pouvez acheter vos tickets. Alors je demande au couple de bien vouloir venir sur la piste de danse. DJ, est-ce que tu es prêt? DJ, est-ce que tu es prêt? Parce qu'après ça, c'est la danse jusqu'au matin, n'est-ce pas? Alors, Monsieur le Président et la Première Dame, s'il vous plaît, je vais demander au consul, Monsieur Christophe Kouakou, bien sûr, de bien vouloir les rejoindre. Bien sûr, aux parrains, Monsieur Bengali. C'est le moment, comme le disent nos frères de la Côte d'Ivoire, les jeunes DJ. C'est le moment, hein. DJ, est-ce que tu es prêt? Alors, assez entouré de Yuni qui va donc accompagner le consul. Nous avons le parrain, nous avons également le député de Boaké qui est avec nous, Monsieur Bema Fofana. DJ, à toi.
chers. La
Thank you.
Thank you.
dernier morceau. Le Sénégal, le Marabé, Samfile. Ivoire TV.